Salut tout le monde, c'est X-Rouge et bonne année 2018 à tous. Sans plus tarder, voici le test de Monster Hunter World. Nous sommes dans le hub social du jeu et je vais vous présenter trois points importants de ce hub. Le bordel, où je me situe avec le vendeur, vous pourrez acheter vos potions, consommables, comestibles, tout ce qui pourra vous amener à être au mieux de votre forme durant une chasse. Monster Hunter, même s'il porte le nom Hunter, ce n'est pas que de la chasse durant ce jeu. Vous aurez aussi par exemple des missions d'escorte, un payload à escorter d'un point A à un point B, à faire attention à ce que les PNJ ne se fassent pas tuer par des monstres ou par diverses embuscades que la faune et la flore vous proposent en fonction du lieu où vous vous situez dans les maps. Beaucoup de maps quand même vous seront offertes, beaucoup de lieux en fait, les maps sont réparties en phasing map, en fonction des zones où vous allez aller, les ennemis seront plus ou moins agressifs, plus ou moins forts. Voici la forge, à ma gauche le vendeur d'armes, et on va plutôt quand même s'attarder sur le forgeron. Le forgeron lui vous permettra d'avoir des armes que vous pourrez crafter, des armes que vous ne pourrez pas obtenir auprès du vendeur. Mon insectoglaive, donc du coup ça c'est l'arme que je joue. Différents arbres en fait pour améliorer votre arme, les branches en fait qui sont disséquées en plusieurs schémas, mais ça reste au fond le même, c'est juste pour qu'il y ait plus de d'intuitivité en fait, voilà, c'est plus intuitif. Alors mon palico, de toute façon je ne vais pas le retoucher. Le palico c'est votre petit chat, votre petit collègue en fait qui va vous aider. A savoir que quand vous allez chasser différents ennemis, vous allez devoir les disséquer. En fonction des organes obtenus sur ces ennemis, vous pourrez vous construire différentes tenues. Alors, les Kingsect aussi, je vais m'y arrêter parce que le Kingsect c'est aussi une de mes armes. Un petit insecte qui va farmer pour moi en fait. Et bon, là de toute façon, j'ai pas trop à l'améliorer. Que vous dire pour les missions, c'est sur ce panel là. C'est sur ce panel là. Du coup, voilà, ça se décortique en plusieurs parties. Vous avez les missions qui feront avancer la trame principale du jeu, les libres que vous pouvez refaire, ce sont des missions à refaire, et les événements qui ne se font que en online en fait, et c'est du discover de map tout simplement. Voilà, et comme je vous ai dit, tout ennemi que vous allez donc du coup dépecer vous offrira des organes pouvant construire votre set d'armure avec plus ou moins de compétences. La cantine, dernier point que je vais vous présenter avant qu'on parte de suite en game. Allez, pour vous montrer la petite animation, qu'est-ce que je vais me prendre? Oh oui, ouais, ça va m'offrir plus de choses, ça. Allez, je vous laisse là-dessus, on va voir donc du coup les petits... La petite animation. Ouais, voilà, allez, go délice de mer. C'est juste génial. Donc, voilà, il est... Il est important en fait de manger avant chaque mission, un repas ne durera qu'une mission, donc mangez toujours avant de partir, ça vous offrira plus de vie, plus d'endurance, etc. Vous le voyez à droite, hein. Les animations sont vraiment géniales, c'est un peu kawaii, c'est japonais, c'est Capcom. Allez, on va de suite passer transition, on va rejoindre une partie online, je vous dis à de suite. Alors du coup, on se retrouve, donc ça c'est la petite map avec du phasing map comme je vous l'ai dit. Sectionné en différentes zones, et dans cette mission nous allons chasser un animal emblématique pour ceux qui vont commencer le jeu qui s'appelle le Pouquet Pouquet, le fameux Pouquet Pouquet. Oh putain, pardon. je me rends compte qu'en fait c'est hyper raciste ce que je viens de faire. Ah, et vous n'aurez d'autre choix que de me dire mais X-Rouge tu es raciste, et moi je vous répondrai merci. Non, bon, passons. Du coup, quand vous allez lancer du coup une chasse, la première chose que vous allez devoir faire, en fait, il y a plusieurs petits mécanismes pour arriver à ce monstre. Il laisse des empreintes partout dans la map, en fonction après des zones, comme je vous ai dit, qui sont un petit peu fractionnées dans votre minimap. Il va, il est plus présent par exemple sur la zone 11, 12, 13, plutôt que sur celle qui les entoure, comme la 10, 9, 8, etc. Enfin bref, vous m'avez compris. Les traces, vous devez les récupérer. Et là, une fois qu'on récupère assez d'indices, les lucioles qui nous accompagnent peuvent le traquer et vous montrent en fait le chemin. Donc, dans un premier temps, c'est pour trouver le monstre, vous aider de la map, vous allez dans des lieux, et ensuite vous récupérez les traces et vous analysez, vous inspectez, pour vous diriger vers votre cible, là en l'occurrence le Pouquet Pouquet, qui se trouve au-delà de la zone 12, comme vous pouvez le voir en bas. Je vais pouvoir enfin vous parler aussi donc, du coup, de comment on joue l'insectoglaive. Et puis là actuellement sur moi comme stuff je porte le stuff héritage qui est fourni avec le DLC du jeu. Comme je vous ai dit, voilà, tuer des monstres vous fournira des organes et
comme il en a plusieurs des organes et que lorsqu'un monstre est tué, vous ne pouvez le disséquer que 3 fois, donc vous n'allez avoir que 3 organes. Mais il en a plus que 3. Ce qui fait que vous serez obligé de farmer l'ennemi pour avoir un stuff complet. Oui, parce qu'il faudra un certain nombre d'organes pour la tête, le torse, les bras, la ceinture, les jambes. Voilà ce qu'il vous faudra. Donc du coup, on cherche et... voilà, faut aimer le farming. C'est un jeu japonais. Hein. Oh bordel. Il était pas censé... Ouais, non, on s'en fout. C'est pas une mission de notre niveau à ce moment-là. Alors. Donc, du coup, voilà, on continue dessus. Franchement, le jeu, quand même, est vachement beau. Clairement, il est... voilà, ça, c'est un gros point positif. Après, il a chopé une excellente note. 18 sur 20 sur Game Rankings. 91 sur 100, pour être précis. C'est, et franchement, il le mérite. Après, quand on aime les jeux un peu farming, c'est vraiment stylé. Du coup, notre ennemi, le Pouquet. Mon but, en fait, avec l'insecte au glaive, c'est que j'envoie mon petit insecte. Vous voyez, il revient vers moi. Et il a différentes couleurs. Là, j'ai la couleur numéro 2. Vous la voyez en haut à gauche. Et en fait, je dois l'attaquer. À chaque fois, tant que je n'ai pas le chiffre 1 et 3 à récupérer, je ne pourrai pas faire autant de dégâts que possible avec mon glaive, en fait. Là, j'ai le 1, je le ramène, vous voyez que je vais avoir 1 et 2, voilà, en dessous de ma petite lame. La lame verte aussi, c'est la durabilité de votre arme taillante, en fait. Donc après, vous serez obligé d'aiguiser vos armes, et ça, c'est valable pour toutes, pour pouvoir continuer à faire du dégât. Là, ça y est, j'ai enfin mes 3, je vais pouvoir enfin me faire plaisir. À chaque fois qu'il le touche et qu'il met plus de la moitié des coups, le possesseur de l'insecte au glaive a un dash supplémentaire pour rester dans les airs et continuer de le taper. Vous voyez qu'on lui donne pas des coups vraiment énormes. Quand je frôle les 15 de dégâts, pour moi, c'est un coup qui est très puissant. Mais sachez qu'un ennemi, voilà, a rarement... enfin, je crois, d'après le guide, que le Pouquet, il a un truc comme 8000 de vie. Et c'est pour ça que le combat, quand même, peut être long. Même à 4, c'est assez tendu. Je vais me déplacer sur son dos. Oui, donc voilà, pour me déplacer sur son dos, moi, pendant que je l'attaque, je n'ai qu'à faire triangle. Et si je suis près d'une zone où est-ce que je peux me poser, eh bien, je peux l'attaquer. Vous voyez, je lui enchaîne des coups avec que des coups de 1. Oula, hop, reviens ici. Donc là, il a heurté un arbre et la flore nous aide. C'était un arbre à liane qui fait que du coup, bah, il est stun, il est bloqué pendant un petit peu de temps. J'active ma ruée de coups parce que je lui en ai donné assez. Ce qui fait que du coup, il va rentrer dans un coma normalement. Voilà. Il tombe au sol et là, tout le monde peut vraiment mettre des gros coups. Moi, vous voyez, j'ai ma lame qui est jaune. Donc là, j'étais vraiment pas bien. C'est en dessous du vert. Donc je faisais encore moins de dégâts. Et là, je peux recommencer à taper. Mais je ne fais pas autant de dégâts que si j'avais mes 3 couleurs. Voilà comment on joue l'insecte au glaive. Je peux tirer sur l'ennemi et mon insecte s'est mis à côté du dard que j'avais planté dans l'ennemi et a laissé une nuée de mouches poison. Et une fois que les mouches poison sont touchées, eh bien, s'il se trouve à côté des mouches, eh bien, du coup, il sera empoisonné, quoi, logique. À gauche, vous avez la vie de vos collègues. Si vous n'êtes que 2, vous verrez 4 barres de vie parce que la vie de vos palicots sera à ce moment-là affichée. Les palicots ne deviennent que secondaires quand il y a plus de joueurs que de joueurs avec leurs palicots réunis. Donc en outre, si vous êtes 3 joueurs, vous ne verrez plus la vie de vos palicots, à part le vôtre, qui aura sa propre barre de vie ailleurs. Ouais, j'arrive quand même à le toucher, hein, malgré le petit dash en l'air que j'arrive à mettre. Eh oui, hein. Ça, franchement, c'est vraiment stylé. C'est vraiment classe parce que voilà, l'insecte au glaive, c'est assez complexe à jouer, certes, je dois quand même l'avouer. Il m'a fallu un petit peu de temps durant la bêta fermée et ouverte pour pouvoir appréhender ces techniques-là. Mais une fois qu'on connaît un petit peu le béaba, vous voyez comme c'est un petit peu, comment dire, spectaculaire. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment stylé. Vous allez me dire, on le tape, bout du commerde, ma vie est violette, il va me falloir un antidote, parce que sinon ma vie ne cessera de descendre. J'espère que les autres, voilà, vont garder l'aggro. Voilà, et pendant ce temps, je me soigne. On va aussi aiguiser. Voilà, ça permet au moins. Donc là, voilà, vous allez me dire, mais bordel, X, tu es en train de taper un monstre, mais la vie, on ne la voit pas descendre. Effectivement, on ne voit pas la vie des monstres. On le voit par rapport à l'attitude qu'il a. Là, par exemple, il vient de fuir. On va dire que quand un ennemi fuit, c'est qu'on vient de lui enlever au moins le quart de sa vie. Les ennemis ont différentes façons de réagir face à de gros dégâts subis. La fuite, par exemple. Après, il pourrait boiter. Ils pourraient perdre des éléments de leur corps, on pourrait leur couper la queue, ils pourraient perdre une corne si c'était des monstres dotés de cornes, avoir les ailes un peu déchirées pour les monstres volants. Plusieurs indicateurs de dégâts qui vous montreront
Bah, le reste de vie que peut avoir un ennemi à chasser dans Monster Hunter World. Après, c'est vrai qu'on quitte un petit peu l'aspect Monster Hunter qu'on avait connu. Moi, par exemple, j'ai pas mal joué à Monster Hunter 3 sur Nintendo DS. C'est pas du tout pareil. Voilà, j'étais plutôt à avoir, moi, des doubles dagues ou des longs katanas sur qu'est-ce que j'allais dire, MW3, moi. Il n'y a pas question de conoff, là, les gars, bordel. Sur Monster Hunter 3. Mais là, l'insectoglave, c'est vrai que c'est assez classe. Je peux atteindre des ennemis alors qu'ils sont dans les airs, quoi. Vous voyez par vous-même, c'est vraiment... c'est stylé, quoi. Voilà, en plus j'ai un dash supplémentaire qui me permet de me réorienter dans les airs. Tant que je l'utilise pas avec croix, ben il ne se claque pas. Et ça c'est plutôt bien. Il me suffit de retoucher un ennemi pour regagner mon dash. Que demande le peuple? Après voilà, ce sont plein de choses à gérer et en fonction des... Il y a 14 armes dans ce Monster Hunter World. En fonction des 14 armes que vous allez jouer, vous aurez différentes choses à gérer. Ne pensez pas que parce que j'ai plein de choses à gérer, les autres armes sont nulles à chier et ne peuvent rien faire. Non, si vous prenez certes des armes de base comme la grosse épée qui est montrée dans toutes les images du jeu... À part gérer certains combos à apprendre entre switcher triangle et rond, qui sont vos deux touches d'attaque, attaque axiale et horizontale, forte et plus faible, bah, à part aiguiser votre lame, c'est vrai que cette classe d'armes, voilà, il n'y a pas grand chose à apprendre, même si elle est ultra puissante, vu qu'elle fait, il me semble, un des plus gros dégâts des 14 classes du jeu. Donc voilà, ce sont des choses quand même qui sont assez sympas à prendre en compte. Et bien sûr, voilà, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, et en fonction du nombre de joueurs sur la map, eh bien, tape dedans, voilà, j'ai tapé dans ma nuée d'insectes poison, du coup, il prend du poison. Vous l'aurez compris, c'est QFD. Plus il y a d'alliés sur un monstre, plus la difficulté est grande. Le jeu, en fait, fait du phasing player, tout simplement. Plus vous avez d'alliés, plus ce sera compliqué. Ce qui est juste, dans le fond, bien sûr. Donc après certes vous n'avez pas de. Vous n'êtes pas nerf, même si vous avez un plus haut niveau et que vous rejoignez des plus bas niveaux. Les plus bas niveaux ne peuvent pas rejoindre les plus hauts, mais l'inverse est possible. Voilà, tout simplement parce que ceux qui ont le plus bas niveau, ben, n'ont pas le niveau pour accéder à certaines zones du jeu, ou même affronter même certains monstres. Le jeu vous dit ouais, vous allez vous faire get wrecked, ça sert complètement à rien. Et même si le mec était plus haut level pouvait vous carry la chasse. Non, c'est pas parce que quelqu'un a au moins 10 niveaux de plus que vous qu'il pourra vous protéger. Lui survivre, clairement, mais vous protéger, non. Voilà. Surtout qu'il y a très peu d'armes de soutien, je crois même qu'il n'y en a qu'une seule, c'est la cornemuse. Oula, bordel, il a la queue coupée, il boite, il va plus bien du tout, ça y est, là on l'a quasiment fini. Vous voyez l'indicateur de dégâts? Donc voilà, le jeu vraiment parle de lui-même. C'est, franchement, je le trouve vraiment stylé. On s'est arrêté sur le hub social vite fait. Et voilà, après il y aura d'autres choses que je vous ai pas montré. Par exemple, vous avez le botaniste, vous allez pouvoir par exemple cultiver certains objets que vous aurez du mal à avoir durant les games. Ou par exemple l'alchimiste, unir deux items ensemble pour en faire un meilleur, par exemple. Voilà, ça c'est vraiment, vraiment sympa. Et puis après aussi, quand vous tuez des monstres, il y a aussi différentes façons aussi de leur mettre des dégâts. Si vous les amenez dans une autre zone qui ne sont pas la leur et qui sont gérées par d'autres monstres, eh bien il va y avoir une guerre de territoire entre les deux. Et vous allez assister à un gros combat de titans. Il se peut que l'ennemi que vous ayez à chasser soit plus fort que celui vers lequel vous l'avez amené. Ou peut-être inversement, là tant mieux pour vous. Mais pensez que du coup vous allez peut-être avoir deux ennemis à gérer si celui-ci est hostile envers vous et vos camarades. Donc voilà, plein de choses à gérer. Vraiment, on a cet esprit, bah chasse tout simplement. C'est pas un Monster Hunter pour rien, quoi. Hop, il va me falloir 2-3 petites potions de soins. On va en créer plusieurs. Hop. Voilà. Il commence à m'en manquer. Donc voilà, ouais, vous voyez, il y a de l'artisanat, etc. C'est que, voilà, je switch de mes petits items en bas à droite depuis tout à l'heure et je ne les voyais pas pendant que je suis en train de vous parler, là. J'ai un peu trop de choses à gérer. Là, ça y est, on est dans son nid, donc ça va se terminer. Ils finissent toujours vers leur nid, en fait. Quand ils sont quasiment morts, ils viennent pour dormir. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez aussi les capturer. Oui, il est possible de les capturer, de ne pas les tuer. Et les récompenses seront encore plus grandes. Oh, bordel, le T-Rex est arrivé. Ça va être coton. Allez. Ok, on l'a mis dans le coma. Je pense que le but, c'est qu'on le tue lui. Et comme ça, le dino, on s'en fout. Au moins, on aura la mission validée. Non, parce que lui, il est chaud. Bas niveau, il est chaud. Ce sera un monstre, je crois que ce sera que quand vous serez niveau de chasse 4, je crois. Alors que le Pouquet, c'est une mission de niveau 2-3. Vous allez me dire, purée, il n'y a pas beaucoup d'écart entre 3 et 4. Ouais, allez dire ça au monstre, clairement.
Non, non, vraiment, c'est le jeu Jap. Hein. Si vous n'avez pas le niveau qui est demandé, vous allez chialer votre maman, hein, clairement. Ok, donc on a perdu un de nos collègues. C'est-à-dire qu'il nous reste une seule mort à se partager pour tous. Oui, on a deux morts à se partager entre quatre. Au moins, ça me permet aussi de vous dire des choses que je zappe, tant mieux. Merci à mon ami qui est décédé. Etupi, tu t'appelles? Ok, tant mieux pour toi. On va se barrer parce que là, de toute façon, le Pouquet, il s'est barré. Et l'autre, il reste dans sa zone, quoi. Bon. Très bien. Il a pas l'air de nous suivre. Bon, allez, on va suivre les collègues. Et on va finir pour tuer ce Pouquet. Hop. En appuyant sur croix sur les buissons, vous pouvez aussi vous cacher. Vous avez aussi divers objets qui vous permettront de vous camoufler pendant un certain temps. Quand vous avez l'aggro d'un ennemi, il est parfois difficile de s'en extirper. Du coup, des capes d'invisibilité. Capes d'invisibilité, en fait, je dis ça, c'est une cape, c'est un ghillie suite en fait. Hein, ça a plein de feuilles dessus et en fait, l'ennemi vous voit pas si vous êtes statique. Quoi. C'est un peu con aussi, hein, dans le fond. Mais différentes façons aussi de vous montrer, de vous faire perdre l'aggro pour pouvoir aiguiser votre arme, vous remettre vos potions, etc. Donc ça, c'est assez sympa. Bon, là, on devrait le finir, là. Je pense que là, ça va se finir. C'est la dernière zone. Hein. Il va être mort en zone 7. Voilà, il est dans le coma. C'est pas grave pour mes couleurs, là. On va le taper. Et voilà, on a tué le Pouquet. Pouquet terminé, 30 points. Oui, vous avez aussi votre propre monnaie, mais aussi vous avez des points. Et ces points, vous pouvez les utiliser ou pour la cantine. Vous pouvez payer la cantine en points ou en sous. Et sinon, les points sont utilisables uniquement pour améliorer votre palico, votre petit collègue. Donc, les points sont aussi importants que les sous. Voilà, je l'ai dépecé 3 fois. J'ai récupéré... Oh, ça, c'est encore un autre monstre, mais ça, c'est un monstre du début de jeu, ça. Voilà, après, en fait, vous avez 50 secondes avant de repartir dans votre base ou dans votre hub social. Et à ce moment-là, farmez, récupérez tout ce que vous avez pu, restaquez-vous, voilà. Ça, c'est un petit truc tranquille. Rangez votre arme toujours avant de dépecer ou de faire une quelconque autre interaction qui ne nécessite pas une attaque. Bon, il me reste 10 secondes. Je pense pas que j'aurai le temps d'aller sur la marque. Si. Et... Non, j'ai pas eu le temps de faire la dernière. Bon. Ouais, le personnage que j'ai choisi, ouais, une meuf black, c'était la meuf de base qui était dans la bêta, et comme j'avais pas envie de créer un autre perso, je me suis dit, tiens, je me suis attaché à ce skin de personnage, donc, du coup, je me suis dit, allez, hop. Voilà, donc ça, c'est à récupérer. Conseil, récupérer tout ce que l'on vous donne, enfin, les objets assez importants, qui sont nécessaires au craft, et revendez le reste. Mais de toute façon, vous avez une prime, donc en fait, ouais, il vous est conseillé de tout prendre, en fait. Prenez tout, croyez-moi, comme ça, vous ne prendrez pas de retard sur le crafting et sur la progression de votre personnage. Vous avez un petit feu de la rampe, un petit Hall of Fame pour voir quel est le joueur qui a été le plus compétent durant la game. Du coup, voilà, je vais m'arrêter là. Sur ce, du coup, j'espère que mon bref gameplay découverte de Monster Hunter World sur PS4 vous aura plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien tout le monde, et à ciao !